Orange, si Vincent arrêtait là. Oui, sûrement. Yes, sir! Alors, le match qui commence dans si peu. Nous sommes ravis de voir les joueurs en forme et prêts à ce match. Alors, mon cher Mathieu, je sais pas si tu vois Hugo Sivigny parce que moi, je le vois pas. Hugo, je crois bien qu'il est parti boire ou prendre une pause avant le match. Ceci pourrait être un petit problème pour l'Orange qui n'arrive pas à temps pour son match. Ouais, sûrement. On l'avait aperçu à la rentrée. Oui, on l'a aperçu avec le chandail aussi. Alors ici, c'est la mise en jeu entre Khalid et Danny Lassell. Alors Khalid qui, je crois, avoir coupé ses cheveux. Et nous apercevons Hugo Sivigny ici. Et voilà, c'est parti. Alors Danny qui décide aussi de jouer à 3 contre 3 encore. Alors tout un tir de Danny, Khalid qui avait fait une petite passe un peu à l'aveuglette. Il n'avait pas aperçu Danny qui était à ses côtés. Alors on poursuit avec Danny. Danny perd la rondelle vers Kevin Dickey qui passe un peu trop long à Carl Vincent. Carl Vincent qui tricote très bien. Passe vers son coéquipier Khalid. Khalid qui a fait un beau jeu la semaine dernière, deux buts. Des buts qui ont été très bien précis et des beaux jeux avec Alex Lassell. Alors Carl qui tire l'arrêt de Jordan. Et voilà un changement, et c'est Hugo Sivigny qui est dans la mêlée. En parlant de lui, c'est lui qui a la balle. Il monte très doucement. Il contrôle bien la situation, mais Carl, comme on avait dit, c'est un gros joueur qui pourrait faire une différence contre Hugo. Bien sûr, oui. Alors, voilà, Khalid, c'est 2 contre 1. Khalid qui tentait de passer vers Carl, mais Vincent était bien ici. Oh, c'est Hugo. Hugo s'amène. Quel arrêt! Carl qui avait fait un arrêt avec son bâton, qui a réussi à son joueur, Alexandre, de poursuivre cet arrêt. Alors, l'arrêt de Jordan et Hugo reprend très vite. Hugo qui se fait de plus en mieux, de plus en plus surveiller les joueurs qui ne veulent pas qu'il marque. Oui, bien sûr. Carl qui tire. Oh! Un arrêt fait par Jordan, un tir un peu trop loin. Alors, c'est sûr qu'on va recevoir plus de tirs pour Jordan. Lui qui a. Il a bien joué le match dernier. Ouais, alors ici, Hugo s'est venu avec la balle. Hugo. En zone défensive. Oh, il a peur avec Khalid. Mais il la reprend et voilà 2 contre 1. Khalid le tire. Oh! Bel arrêt. Et c'est dégagé par Vincent. Vincent Payan qui a le contrôle de la défense. Un très bon joueur. Il n'y a pas de bonnes mains pour nous pourra dire Hugo Sivigny ou peu importe les joueurs de cette ligue, mais un très bon défenseur. Un contre un. Alors Hugo qui tricote devant Carl, un beau déjou, mais qui n'arrive pas à tirer. Une belle passe vers Danny. Oh, mais il rate. Danny qui voulait faire le but qu'il avait produit lors du premier match à une main ou du revers. Et voilà Dicky en zone défensive. Alors, plus de 3 minutes écoulées à cette période. Un bon jeu en ce moment. Et il n'y a pas beaucoup de tirs. On peut Plus de tirs envers Jordan, alors que Alex fait des beaux arrêts clés. Effectivement. On peut voir un beau jeu. Les Orange qui contrôlent un peu la situation grâce à Hugo. Hugo qui est souvent surveillé par ses coéquipiers, ses adversaires. C'est Carl Vincent. Carl Vincent qui est un peu excité de Danny Martel. Danny Martel qui court partout. Ouais, oh, beau jeu. Un tir. Dégagement. Alors, quand on a remarqué, les Oranges font juste des beaux jeux alors que les Bleus vont le contre-attaque. Effectivement, les Oranges qui sont défensifs, offensifs. Oui. Les Bleus, pardon, qui jouent deux en attaque, un en défense. 2 contre 1, Hugo en échappé. Oh, beau jeu de possible de Khalid. Un très beau jeu. Khalid qui avait bien surveillé Hugo. Comme je prédisais au début, Hugo qui pourra faire moins de choses que la dernière fois. Donner un tir. Merci. Oh! Donner à Hugo. Oh, quel arrêt! L'arrêt d'Alex Lassalle. Hugo qui a pris son temps. Oh, le retour. Hugo qui a pris son temps. Alors, Alex, quel arrêt qu'on peut percevoir. Oh, le but! Les arrêts d'Alex
des très beaux arrêts, mais Hugo, Hugo qui jouait le tout pour le tout, il a réussi à marquer. Effectivement, Alex qui a fait un arrêt avec son masque. Effectivement, un bel arrêt, Hugo qui a pris un peu trop son temps, il a pu marquer un peu plus vite. Et c'est effectivement 1-0 en ce moment pour les Oranges. On pourrait aller revoir justement ce but. Alors oui, on va reprendre la reprise du but, alors qu'Alex qui a fait des beaux arrêts. Quel but. Un très beau tir du radar. Et voilà Hugo, en zone défensive, Hugo. Il tricote bien, Hugo. Tire, bel arrêt d'Alex. Effectivement, M. Hakim qui me parlait de mon frère. Alors, mon frère qui vient me rendre visite, lui, qui, je sais pas pourquoi. Ok. Alors, ici Hugo. Hugo 2 contre 1. Hugo qui regarde Dany. Hugo, belle fin. Je l'ai très bien vu. Alors, Dany qui avait aperçu les yeux de Hugo pour cette passe précise. Oui, alors, Hugo qui rend la faveur à Alex, lui qui a eu une mention d'assist sur le premier but, Hugo. Effectivement, un très beau jeu par Hugo. Hugo qui... On va retourner voir ce but-là, ça vaut la peine. Quel beau but. Effectivement, M. Sévigny, un très beau but fait par quel Dany. Beau but de Hugo. Quelle passe de Hugo, c'est-à-dire? Belle passe de Hugo, lui qui joue à renforcer. Alors effectivement, Hugo qui encore dans les séries accumule 2 points à ces 2 matchs. Une belle performance. Alors voilà, Hugo, une belle défensive. Avec Khaled avec un repli. Mickaël qui tire. Le tir, oh, et l'arrêt d'Alex. Alors, des fans qui nous dérangent et nous empêchent de commenter ce match. Oh, il faut alors, belle fin de Carl. Carl qui manque la balle. Carl qui aurait pu mettre l'avance à les siens et mettre 2-1. Réduire l'écart, effectivement. Alors, un mauvais jeu de Loïc ou Esteban. On ne sait pas trop leur nom. Il y a un jumeau aussi. C'est Loïc. Alors, merci Ali. La passe qui est interceptée par Khaled. Un beau jeu de Carl. Carl qui avait tout lu la formation. Alors, effectivement, Carl qui avait lu la situation avec Dany et Hugo. Et ça a permis à Khaled de pousser vers Loïc. Et Loïc qui est encore dans. Oh, une belle passe vers Carl. Khaled. Oh, alors, Khaled qui a foiré cette situation. Un tir qui a été trop bas. Carl qui pouvait tirer, mais attendait la venue de Khaled pour lui faire un but. Un beau jeu fait par Carl, mais c'est des choses qui arrivent. Et des voilà, petites erreurs. Alors, Khaled et Dany qui sont pas amis dans cette série. Nous avons vu durant plusieurs matchs qui se fâchent très vite un contre l'autre. Oh, et voilà, Hugo. Hugo qui s'emmène. Oh, belle feinte, mais c'est pris par Khaled. Beau jeu défensif. Et voilà Khaled qui court très vite. La feinte pour Hugo. Oh, le tir de Loïc. Oh, quel alors, jeu belle défensive d'Hugo. Une balle très haute qui a réussi à éviter un but. Alors, Khaled qui prend le contrôle de la balle. C'est Carl qui tire. Oh, Carl, mais c'est bloqué par Vincent et Loïc. Oh, OK. Dany qui appuie sur la balle et redonne... l'attaque au bleu. Et c'est pris par Loïc. Alors, Carl qui s'en sauve très bien. Après sa blessure, il nous démontre que son jeu peut retourner à merveille. Et voilà, mise en jeu. Et c'est gagné par Dany. Loïc qui pousse en arrière de Dany. Et c'est pris par Dany qui avance en zone attaque, en zone offensive. Et sa prise, c'est donné par Carl. Carl, à Khaled, à Loïc. Et c'est 2 contre 1. Loïc fait. Oh, il passe raté pour Carl. Alors, effectivement, tout un arrêt de Jordan. Carl qui est très déçu des passes faites par ses coéquipiers, des passes qui ne sont pas précises. Des choses qui peuvent arriver, mais c'est très grave pour assurer la défaite des Bleus
qui pourrait mener à l'élimination. Alors, ils doivent bien jouer et faire des belles passes sur la palette pour permettre aux joueurs de marquer. Voilà, Carl. Bel arrêt de Jordan. Carl, gros colosse. Oh, le tir. Qui tire un peu trop haut. Visait la partie supérieure de Jordan. Effectivement. Alors, Khalid qui tricote un peu tout seul. Carl qui était présent pour la belle passe. Mais c'est raté, c'est préparé Hugo. Un contre un contre Khalid. Kevin Tiki qui tentait une passe à la trop haute. Oh, c'est arrivé par Carl. Carl qui tire. Un tir de côté. N'avait pas vu les parties supérieures au gardien Jordan. Effectivement, quand on a un gardien de grand gabarit comme Jordan, il faut bien viser les parties supérieures. Alors qu'il reste 10 secondes au match à la première mi-temps. Et c'est arrivé par Carl. Carl qui tire. Oh, bel arrêt, le retour. Un repli, mais Carl qui ne peut pas marquer. Et c'est la fin de la première mi-temps. Et voilà, avec un match de but. Alors, un petit sommaire avant de commencer cette deuxième période. Carl qui semble très fâché après le premier but d'Hugo. Hugo qui avait assuré l'avance et Carl, Danny, pardon, par la suite, a accueilli la belle passe de Hugo pour tirer entre les jambes à Alex. Alors, l'avance de 2-0. Ouais, alors, c'est une mi-temps, je veux dire, plus pour les Bleus, parce qu'ils ont très bien attaqué, alors que les Oranges ont bien défendu et ils sont sûrement prêts pour les contre-attaques, alors que Hugo et Danny ont fait des beaux jeux. Effectivement. Alors, nous attendons un peu les petits messages des arbitres envers l'équipe des Bleus pour peut-être assurer une victoire et permettre aux Bleus aussi de mettre fin à la série, dont 1-0 pour égaliser cette série et mettre un terme très clair à son adverse. Alors, moi je pense que ça va être une victoire des Oranges. On va voir si ma prédiction avec Carl qui doit marquer au moins ses deux buts pour que ma prédiction soit bonne. Effectivement, une prédiction de 4-2, je crois, Ali. 3-2. 3-2. Oui. Alors, nous allons voir ça. Lui qui avait prédit une très belle prédiction 5-4. Et oui. il était très content de réussir une prédiction comme ça. Je pense que si j'ai réussi, je dois jouer au loto. Alors, voilà, M. Papineau qui annonce le revenu des deux équipes. Effectivement, le début de cette deuxième période qui commence à si peu. Les joueurs de Danny qui se préparent à peut-être cette victoire. Une victoire qui pourrait être qui devrait être très amusante pour les Oranges, eux qui voulaient éliminer les Bleus en deux matchs. On verra ce Danny ici. Alors. Alors, Danny qui avertit ses joueurs de jouer à 4 contre 4 vu que l'équipe de Alex ont rendu complète. 4 joueurs de chaque côté pourraient faire une très grande différence. Effectivement, mon cher Mathieu. Ça peut rendre l'intensité plus dure. Alors, Hugo. Oh, c'est rappelé par Luc. Luc qui rentre, mais c'est beau jeu de Vincent. Et là, c'est rappelé par Khalid. Khalid derrière le but. Oh, belle feinte. Repris très gracieusement, lui qui aurait pu permettre à son équipe de perdre cette avance 2-0. Mika qui avait la balle entre les jambes, aurait pu commettre une erreur de Khalid, mais c'est mal fait. Alors, un petit dégagement vers Jordan, Carl qui était persuadé qu'il pouvait faire quelques buts à cette première période. Alors, ici Khalid. Khalid qui reprend en zone offensive. Khalid avance. Khalid c'est un tir vers bloqué par son défenseur. Dicky qui a reçu le tir puissant de Khalid. Alors, la balle qui est haute. Alors, la balle au orange, effectivement, on avait vu Khalid. Alors, c'est des petits détails qui peuvent faire la différence de cette série-là. Alors, ici Vincent. Il veut faire passer à Hugo, c'est réussi. Hugo en zone offensive. Oh, il veut passer à Danny. Danny, le tir. Oh,
C'est un peu trop loin. Danny qui tentait viser. Les parties de jambes à Alex. Oui, effectivement, ça s'était éloigné du but. Alors voilà Danny qui fait passer Hugo. Hugo qui rentre sur l'offensive. Oh, une belle passe. Une belle passe. Mais c'est bien joué par Alex. Alex qui s'avance de son filet pour jouer la défensive. Et calé dans son offensive maintenant. Et c'est pris par Vincent. Vincent qui joue très bien son rôle. Et voilà une passe. Oh, le tir bloqué par Danny. Jordan qui tentait de faire cet arrêt, mais Danny était prêt pour bloquer son gardien. Le net qui est déplacé, et M. Papineau qui s'est... M. Papineau qui attendait un peu, car Vincent était près du filet, alors il pensait que Vincent avait poussé lui-même le filet. Effectivement, c'est la balle qui est reprise par les oranges. Non pas ce vers Danny. Hugo qui... Oh, Khalid le reprend. Oh, le nombre de fois que... Oh, le voilà, Karl le tire. Le but! Quel tir! Un tir très précis de Karl la machine. Karl qui... Effectivement, alors... Karl qui est rendu surpris de ce tir-là. On peut voir cette reprise, un beau tir précis. Un beau tir précis. À la partie supérieure, Jordan qui ne semble avoir rien vu. Continue. Alors, des petits problèmes techniques avec le timer, on peut dire. Alors, Karl, effectivement. Karl qui ne devrait pas se blesser encore, lui qui avait commis une grosse douleur à son bras. Et des choses qui peuvent arriver, mais ça ne doit pas se reproduire ainsi. Effectivement, alors, ici, alors qu'il reste. Donc à 6 minutes 40 au match et c'est 2-1 pour les oranges. Alors on n'a même pas vu une attaque des oranges dans cette mi-temps. Effectivement, on avait vu des tirs un peu trop loin. Ce qui ne peut pas permettre aux oranges de marquer comme ça. Alex qui couvre très bien ses angles, des buts qui ont été un peu chanceux sur les côtés des oranges et Alex Lassec qui ne pouvait pas faire grand chose. Et voilà Khalid. En Cali. Mais passe à Deki. Deki qui passe un peu trop loin à aucun joueur. On a eu des petits problèmes avec notre transmission en direct. On est revenu, alors on peut continuer. Ok, effectivement. Alors, ici Khalid, on est en offensive. Khalid qui ne regarde pas l'opportunité qu'il peut faire à ses joueurs. Khalid qui joue un peu tout seul. Effectivement, Karl Vincent qui était libre. Alors, c'est préparé Alex Lassel. Alex Lassel qui glisse en ce moment, pas de souliers. Je crois bien qu'il. Qui a une méthode pour permettre à ses... Oh, le tir! Un tir très, très bien réussi par Loïc. Un tir qui était haut pour battre sûrement son adversaire. Alors c'est Tommy qui siffle. Alors, Tommy qui pensait que M. Papineau avait calé une pénalité ou juste informé les joueurs de pas... Oh, bel arrêt d'Alex. Alors, Mickaël qui aurait pu un peu s'avancer, il était tout seul, mais oui, il ne voyait pas la chance qu'il pouvait avoir. Avoir une belle passe voilà, de Mickaël à Hugo. Oh, belle fin. Hugo qui oh. tire, mais un peu trop faible. Un tir un peu trop faible, pardon. Alors, Khalid qui joue très bien son homme. Ouais, voilà, c'est pris par Diki qui fait une passe à Karl. Karl qui veut tirer. Qui a oh, mais c'est bloqué pris par Danny. Danny, excuse-moi. Alors, voilà, Hugo qui tire. Hugo non. Qui fait passe. Oh. Tentait de passer vers Danny. Alors, Hugo qui prend tout son temps. Devrait un peu perdre du temps pour assurer sa victoire. Effectivement. Et voilà, Diki. Alors, Diki qui pousse cette balle en zone défensive des oranges. Alors, une passe. Une passe qui aurait pu être interceptée par Karl. Et c'est Mickaël qui reprend. Mickaël qui tire. Oh, le but! Mickaël, un joueur qui a été un peu laissé de côté. Personne ne croyait qu'il aurait pu faire un tir comme ça. Effectivement, c'était un beau tir. Mais je pense que c'est Alex qui n'a pas vu parce que Khalid qui était devant lui, il a bloqué le chemin de sa vision. Effectivement c'est un beau tir. Cette reprise qui pourrait faire mal au bleu. Un tir qui a été
Ouais, qui n'a pas été le tireur le plus puissant de cette série. C'était Dicky qui était devant Alex qui n'avait pas vu. Et voilà, Khaled fait une belle passage. Qui est le tir. Oh! Et un tir qui a tenté à Jordan de s'avouer vraiment déjouer, mais par chance, ça tirait en arrière du filet. Alors, très chanceux comme gardien. Et voilà, Hugo. Alors, plus que 3 minutes à cette période. Les Bleus qui ont un peu de misère à rattraper cette avance de 2 buts. Et c'est Hugo qui perd le temps pour assurer une victoire. Et voilà, Danny. Alors, Carl qui doit faire ce 2e but pour assurer ta prédiction encore, Ali. Effectivement. Alors, Et voilà, Hugo. Hugo qui tire. Oh, le poteau. Le poteau. Et voilà, Khaled. Khaled qui devrait faire pas. Khaled qui joue très mal aujourd'hui. Il semble-t-il être fatigué ou avoir. Être malade. Je pense que c'est les cheveux qui a coupé. Effectivement. Et voilà, Danny. Échappé. Danny, le tir. Oh. Oh, le retour. C'est bloqué. C'est revenu par Danny. Danny qui tire Danny encore. Qui tire le but. La prédiction à Ali. Et ben, 4-1. Alors, alors qu'il reste 2 minutes et 10 secondes à cette toute période. La série des Bleus. Alors, les Bleus qui ont reçu. Et voilà, mise en jeu gagnée par Hugo. Mais c'est repris par Dicky. Alors, une avance de 3 buts en 1 minute. C'est très dur. Alors, effectivement, Danny. Alors, Danny ici, Martin, c'est une mise en échec et c'est une pénalité. Khaled qui a poussé brutalement Danny. Danny qui semble être un peu sonné. Alors, Khaled qui est très fâché de cette situation-là. Effectivement, quand la frustration d'une défaite. Ne pourra pas assister à la fin du match. Et voilà, 4 contre 3 pour le reste du match. Et c'est repris par Hugo. Hugo qui déjoue. Il reprend. Oh, alors, belle feinte. Et voilà, Hugo quelques secondes, Hugo. Et le but. Le but. Wow, quel but. Très belle feinte. Ça, c'est Hugo le but de qui, série. Effectivement, a déjoué l'équipe complète ainsi que le gardien. Hugo qui a très bien joué. 3 points à ce match. On peut assurer aussi Hugo une machine dans l'équipe des Oranges. Effectivement. Oh, belle passe, mais c'est. Alors Alex Lassay qui ne tente plus de jouer. Alex qui enlève son bloqueur et sa mitaine. Oh, le tir. Le retour, c'est raté. Ça fait par Carl. Oh, bel arrêt de Jordan. Alors les Bleus qui ont alors, commis 15 secondes aux séries des Bleus. De 5 à 1. Effectivement. Malheureusement, une défaite qui peut faire très mal. Alex qui doit rien faire. De... Oh! Alors, l'arrêt est fait. Et voilà la fin de série. Alors, la fin de cette série qui... Alex Lassay qui est très fâché de cette situation. Les Bleus qui sont vraiment, vraiment, vraiment frustrés. Alors, des choses qui peuvent arriver, c'est plate pour l'équipe des Bleus qui avait très bien joué cette série. Effectivement, alors, merci d'avoir écouté ce match, un match, match très émouvant. Très émouvant. Et, on se revoit à la prochaine.